Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, c'est le week-end. Et actuellement, sur la version japonaise de Dokkan Battle, le week-end, il y a quoi? Il y a le portail du week-end. On a packé quelques tickets, on a fait les missions également pour récupérer quelques tickets. Alors, évidemment, comme d'habitude, hein, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'il y a sur le détecteur, même si ce Goku, c'est un des rares Goku, je l'ai pas à 100%. J'avoue qu'il me disait rien du tout. Et comme il a eu son éveil il y a pas longtemps, donc du coup, bah, je dirais pas non. Déjà, le reste, bah, après le reste, ZTUR, ZTR 100%, ZTUR 100%, 100% ZTUR, ZTR. Bon, c'est fou les ZTUR. Bon, après, ce qui nous intéresse, oula, ce qui nous intéresse, les amis, hein, voilà, on va parler cash. C'est ça. Alors, on va faire nos courses, hein, qu'est-ce qui nous intéresserait parmi tous ces LR hors détecteur. Freezer full power, je l'ai pas à 100%. Le trio cyborg, j'ai un seul doublon. Broly LR Tech, je l'ai pas à 100%. Mighty Mask, je l'ai pas à 100%. Et puis le reste... Ah, Goku, non, également, Goku, je l'ai pas à 100%. Et puis le reste, les amis, ça m'intéresse pas. Ah, KFC, il manque un doublon. Donc voilà, les amis. Un petit LR. Ou sinon, le Goku Puissance, que j'ai pas à 100%. Il est pas dégueu en plus, hein. Il est vraiment pas dégueu. Bon, comme d'habitude, les amis, pour soutenir la chaîne, un petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et... Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de stream, même si pour l'instant, je ne peux plus streamer. Et petit rappel également... Oh, SCJ3, petit rappel, je vous fais gagner un jeu via mon partenaire Instant Gaming. Aïe aïe aïe, ça sent le slip ça par contre. Le lien se trouve dans la description, vous inscrivez, vous choisissez le jeu que vous voulez gagner. Tirage au sort le 30 octobre. Il vous reste 8 jours pour participer. Voilà, c'est gratuit, Noël approche. Et si vous êtes nombreux à participer, peut-être que le mois prochain, il y aura un autre concours. Si ça vous fait plaisir, dites-le moi. Bon. C'est un peu chiant, ces unités fusion. Ce serait bien qu'il Dokkan Battle s'occupe de ça. Hein, parce que bon... Oh, un autre SSR. Non, mais c'est dommage. Hein, les unités fusion, pour les personnes qui étaient là à ce moment-là, c'était dans le cadre de la promotion d'un jeu sur... Pas, je crois que c'est 3DS. 3DS. Ah non, j'ai déjà 100%. C'était un jeu sur 3DS et... Mais voilà, ils ont fait les choses à moitié. On n'a pas d'éveil sur la plupart de ces UT Fusion. Donc c'est un petit peu relou. Il y a même un event dans lequel on peut farmer certaines médailles. Pour certains persos. Bon, pour l'instant, rien d'intéressant. Bon, un petit LR pour le week-end, ce serait cool. Oh non, dommage. Wolida, peut-être, j'ai pas quelque chose d'intéressant. Non, mais ils font les choses à moitié. Alors, peut-être qu'on aura un éveil. Mais le truc, c'est que... Oh! Depuis tout à l'heure, un SSR par multi, ça fait plaisir, mais je les ai tous à 100%, ils sont tous ZTUR. Évidemment. Non, mais ce serait bien qu'ils s'occupent un peu de tout ce qui sont sortis, qui prennent un peu la poussière. Que des collabs, hein, ils ont. Enfin, des collabs. Entre guillemets, hein, ce sont des collabs. Des collabettes. Avec d'autres licences Dragon Ball. Genre. Dr. Slump, par exemple. Dr. Slump. On attend l'éveil de pas mal d'unités. Il y a plus de la moitié de la collaboration n'a pas obtenu un petit éveil. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le jeu, le jeu Fusion sur 3DS. Nice! Oh, ce matin, c'est mon jour, là. C'est un bon week-end. Double craquage. En tout cas, il y a le trio de Miskin. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura un craquage. Sûr! Il y a quoi d'autre Fusion. Bon, DB Heroes, bon, à chaque année, on aura notre lot d'éveils.
Et fusion, voilà, c'est dommage. Dommage. Ça prend la poussière. Allez. Le petit Goku puissance, là. Ah non. Bon, il est pas dégueu, hein. ZTUR, pas dégueu. Le truc, c'est que ces ZTUR. Je me demande comment ils vont évoluer avec le temps. Parce que, en théorie, lorsqu'on atteint le ZTUR, on n'a plus d'évolution possible. Qu'est-ce qui nous prépare pour la suite? Parce qu'un ZTUR éclaté, il est mort dans le game. Un ZTUR moyen, bah, il est mort aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait des ZTUR? Est-ce qu'un jour ils vont avoir un ZZTUR? Ah ouais, ça va être boulotissant. Sans rien du tout, les amis. Bon, deux dernières singles. Non, on va faire une multi. Enfin. Ah, attends, on gagne 5 tickets par. J'en ai peut-être raté. Bon, on va faire deux dernières singles. Oh. Non, je crois pas qu'il peut. Je ne pense pas qu'il puisse fusionner ce bougre. Ah non. Ça aurait été trop beau, les amis. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça Ramos? J'ai cru qu'il y avait un LR qui allait pop. Dernière single. Allez, la puissance de Koto. Toujours la princesse Koto, peut-être, hein, le bout. Un petit LR pour finir. Un LR que j'ai pas à 100%. Presque. Ah non. Non, les gars. Non. Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ah non. Finito. Finito. Bon, bah tant pis. Hein. Le week-end. Bon, j'ai droppé des SSR, mais le week-end n'est pas oufissime. Hein. Voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance pour vos invocations. Dites-moi qui a droppé un LR? Ça fait longtemps que j'ai pas droppé un petit LR sur le portail du week-end. Je trouve ça dommage. Ah, la version japonaise. Ok, d'accord. La version globale n'a pas encore eu droit à ce portail. Ça me disait aussi bizarre. Ça me disait aussi quelque chose. Parce que ça fait. Je crois que la dernière fois qu'on a eu le portail de week-end, c'était ça sur la globale avec Justice Moustache. Il n'y a pas le même nombre de LR pour l'instant. Ouais, ils ont rajouté quelques-uns en plus. Je crois que ça s'arrête à Trio Cyborg. Ouais, ils ont ajouté Trio Cyborg par rapport à la version globale. Donc voilà, bah, j'espère qu'ils vont remettre ça très prochainement, hein, les portails du week-end sur la version globale. Parce que, évidemment, il y a des choses qui m'intéressent. Hein. Sur la globale, j'ai quasiment aucun LR de ce pool à 100%. Donc voilà les amis, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez droppé. Sur ce, passez un bon week-end, portez-vous bien et n'hésitez pas à participer au jeu concours Instant Gaming. Pareil, le lien se trouve dans la description. Tirage au sort fin du mois. À très bientôt. Ciao ciao.